On revient maintenant sur le sujet qui anime la colline parlementaire à Ottawa en ce moment, qui fait d'ailleurs parler à travers le monde. Le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, qui s'accroche à son poste jusqu'à nouvel ordre, malgré bon, qu'il ait invité un vétéran qui a donc combattu avec les nazis à assister au discours du président Zelensky vendredi à Ottawa. La ministre Mélanie Joly, aujourd'hui, a demandé sa démission. Les conservateurs également demandent sa démission. Je sais que c'était le cas du NPD et du bloc dès hier pour analyser tout ça avec nous. Guillaume Saint-Pierre, il est chef du bureau parlementaire d'Ottawa au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Bonjour Guillaume. Bonjour Marianne. C'était Conseil des ministres ce matin, alors que les libéraux étaient discrets hier, il faut le dire. Mélanie Jolie a demandé la, la démission du président. Il y a une rencontre également entre les leaders des chefs d'opposition. Est-ce que tout ça ensemble, c'est le coup de grâce pour Anthony Rota? Bien, je pense que c'est une question d'heure, probablement. Avant qu'il annonce sa démission, je ne vois pas comment il pourrait rester. Tout le monde demande sa démission. Puis, le président est nommé par les gens qui siègent dans cette chambre-là. Alors, dans la mesure où tout le monde lui dit qu'il devrait quitter son poste, je ne pense pas qu'il dev... qu pourrait s'accrocher. puis, même que je suis surpris, euh, après les événements d'hier, que le, 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 le NPD ait, ait retiré sa confiance. Je, je, je vois pas comment il, il peut encore rester en poste, même à l'heure actuelle, mmh. euh, honnêtement. Pourquoi c'est Mélanie Joly euh, qui a réclamé sa démission et, et non pas, par exemple, le Premier ministre Justin Trudeau lui-même Mélanie Joly est arrivée euh, à, à, ce matin. Elle a dit, euh, <laughs> elle a peut-être scoopé quelques-uns quelques de ses collègues là oh. qui étaient censés, euh, qui étaient censés, euh, 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 bon do, donner, disons, euh, le, la version officielle du gouvernement, mmh. mais. Euh, Mélanie Jolie, peut-être, est consciente aussi euh, qu'elle commence à avoir des conséquences euh, à l'international. C'est un sujet qui, dont tout le monde parle. On voit déjà qu'il y a des retombées euh, négatives. Euh, la Pologne, un ministre polonais qui demande euh, peut-être à ce que cette personne-là soit extradée. Il y a des vérifications là, là. à tout le moins de fait. Il y a ouais. des vérifications. Euh, là, je regardais sur, sur Twitter tout récemment, puis euh, il y a euh, l'Inde aussi qui, euh, qui, qui se met de la partie, mmh. le Sri Lanka euh, qui a aussi des ressortissants ici qui faisaient partie d'une bon, organisation euh, terroriste soi-disant. Donc euh, les retombées internationales sont énormes pour Mélanie jolie qui est la ministre des Affaires internationales, des, des, euh, des Affaires étrangères. Pour une destitution, disons qu'il s'accroche, continue de le faire malgré euh, que, que tout le monde réclame sa démission. Ça fonctionne comment Qui pourrait déposer une, une motion de, de censure et, et dans quel délai Je pense qu'on ne se rendra pas là. Non, euh, je veux dire, non, 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 on ne se rendra pas là. La question maintenant est de savoir comment est-ce qu'on est qu nomme le, le, le prochain président euh, au moment où il va probablement annoncer qu'il quitte. Euh, la Chambre, ce que je comprends, c'est qu'elle elle va. Les travaux vont, euh, vont s'arrêter euh, jusqu'à ce qu'un autre président soit nommé. M. Rota a des adjoints, mais ce que je comprends, c'est qu'il doit y avoir un président pour que les travaux de la Chambre se poursuivent. Et est-ce que c'est un long processus? Ça peut être un long processus, je présume? j'imagine qu'on va y aller de façon expéditive, là. Euh, mmh. Je connais pas les fins détails de la procédure de la Chambre, pour être honnête, mais je vois, je vois pas, temps, bon, dans une rentrée parlementaire, il y a beaucoup de choses qui se passent, je vois pas comment la Chambre pourrait arrêter ses travaux, suspendre ses travaux pendant très longtemps. C'est rarement vu, quand même, là, il faut le dire, euh, qu'un président de Chambre se retrouve là, au cœur d'une de, 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 controverse comme celle-là. en fait, c'est l'ampleur de la controverse aussi qui est un peu euh, mmh. ex, ex, extraordinaire, là. Bon, on avait le président Zelensky en visite au Canada qui applaudissait un nazi alors qu'il est lui-même juif. Il faut le faire. Là. Ouais. Je pense qu'il faut prendre la mesure quand même de ce qui est en train de se passer. Il y a partie d'opposition qui essaie de faire porter le, 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 le chapeau à M. Trudeau. D'un ben, point de vue du protocole et de l'invitation et tout ça, je pense pas que le chapeau lui, lui, lui fasse, mais il n'en demeure pas moins que quand on va regarder le bilan de ce gouvernement à l'international, ça reste une tâche mmh. énorme dont on on n'a pas encore euh, toutes les conséquences. Donc, on ne prend pas encore la mesure, je pense, de toutes les conséquences. Oui. Une tâche que les libéraux, hier, ont voulu euh, faire retirer, quoi, des, des, des archives à quelque ouais. part, et, et ça n'a pas fonctionné, là. Non, c'est ça, effectivement. Euh, pour euh, C'est la ministre Karine qui est elle-même juive, qui, qui a essayé de faire retirer euh, dans, dans les archives de la, de la Chambre des communes la présence euh, de cette, de cette personne-là, même... Même, euh, les, bon, parce que tout, tout est écrit, là, mm -hmm. mais, mais même euh, tout ce qui est vidéo, etc., bon, après, je ne pense pas qu que c'est une façon de, de, de faire, là, de, de, de réécrire l'histoire de cette façon-là. Euh, c'est un peu étrange euh, comme façon de faire, euh, à mon avis. Euh, mais effectivement, c'est une procédure euh, un, peu, un, un peu bizarre, mm -hmm. puis euh, la motion n'a pas passé, les partis d'opposition ne sont pas rentrés dans le jeu. Heureusement, j'aurais goût de dire. Il est midi 36. Les prochaines minutes, il est où, là, Anthony Rota? Et, et à quoi on, on peut s'attendre dans un avenir très, très rapproché, finalement? Euh, Anthony Rota, en ce moment, rencontre, euh, à ce que chasse, là, oui. la rencontre avait lieu à midi, euh, les secrétaires parlementaires de différents partis d'opposition, dont le bloc et le et euh, à l'issue de cette rencontre-là, on verra s'il y a de quoi nous annoncer. Est-ce que, est que ça va être une déclaration à la Chambre des communes? Mm. Est-ce que ça va être autre chose? Je ne sais pas, mais ça serait très, très, très étonnant qu'on n'ait pas de ces nouvelles aujourd'hui. Assurément qu'on reste à l'affût. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Merci, marie Merci, au revoir.